Dites aux petits-fils de nos petits-fils ce que les grands-parents de nos grands-parents ont vécu. Le royaume Congo. Il s'agit de l'histoire de nos ancêtres. Congo qui veut dire paix en langue bantoue. Congo, terre de nos ancêtres. Congo, terre de Nimi Lukeni. Le royaume Congo est fondé entre 1300 à 1400 par Nimi Lukeni lorsque les nouvelles populations bantoues venues du nord ont franchi le fleuve pour la terre Congo Diantotela. Une terre occupée par les Ambundu, des autochtones constitués en petites unités non unifiées. Un vaste empire était né sous le règne d'une Tinu roi Nimi Lukeni. Un royaume de l'Afrique du Sud-Ouest reparti de territoires du nord de l'Angola, de Cabinda, de la République du Congo, de l'extrémité occidentale de la RDC et d'une partie du Gabon. À son apogée, le royaume Congo s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest, à l'est de la rivière Kwango et du fleuve Congo au sud. À l'époque du premier contact avec le Portugais, l'Empire Congo devait avoir une étendue de plus de 300 000 km², selon certaines estimations. Toute la partie nord et nord-est de l'actuel Angola était des territoires du royaume Congo, dont les frontières s'étendaient tout le long du littoral de l'océan Atlantique de tous ces trois pays, Angola, RDC et République du Congo, soit des provinces et des ex-territoires vassaux, notamment Luango, Vili, etc. Les provinces, on avait le Soyo, le Mbata, le Pumbu. Le pays Congo était le plus organisé de l'Afrique subsaharienne, car organisé géographiquement en une entité administrative dirigée par des chefs de clan et des terres validées par un pouvoir central basé à Mbanza Congo, la capitale de Congo Diantotela. Ces entités se soumettaient à l'autorité d'un pouvoir central dirigé par le Mani Congo. Cette fédération de quatre entités politiques comptait au XVIe siècle Zita Dianza, Congo Diampangala, Congo Diamulanza et Congo Diampanza. Le pouvoir Congo était matriarcal. Il partait de l'oncle au neveu. Dans les années 1480, le royaume Congo était sous le règne de Nzinga Kuvu, père de Mpanzu Nzinga et Vemba Nzinga. Le bonheur était à son comble. Le peuple se nourrissait de la chasse, de la pêche, du ramassage, de l'élevage et de l'agriculture. Les Congo furent un peuple uni dans tout le territoire du royaume. Chaque gouverneur de province et vassaux veillait sur la bonne communication des différentes ethnies. Les échanges se faisaient sans problème. La vie fut paisible. La joie, la complicité, le bonheur étaient au rendez-vous. Alors que les hommes chassaient, pêchaient, la femme Congo s'occupait du bien-être de son ménage. On pouvait apprendre un métier de son choix en intégrant l'une des grandes écoles prestigieuses. Les plus connues sont Kimpasi, Kikimba, Bwelo et Lemba. Ces écoles, toujours d'actualité, représentaient le lieu où était formée l'élite Congo. On y apprenait la polémologie, la métallurgie d'Angola en Kikongo, la médecine, la philosophie, la minéralogie, la sculpture, la poterie. Alors une éclosion de la culture qui ne dit pas son mot sur ce développement de la métallurgie, la bijouterie, de la poterie et disposait d'une monnaie. La femme Congo était un pilier pour l'économie Congo. La femme Congo s'investissait dans l'agriculture. Elle plantait la banane, l'igname, le sorgho et d'autres types de variétés. Le Congo faisait aussi l'élevage pour protéger la faune. Ainsi, il contribuait à une croissance alimentaire équilibrée. Avant l'arrivée des Européens, l'Empire Congo était un État développé avec un large réseau commercial. À part les différentes ressources naturelles, comme l'ivoire, l'or, le cuivre,
Le pays fondait et commerçait le cuivre, l'or, les vêtements, le raffia, la poterie et disposait d'une monnaie et des finances publiques. La femme Congo était chargée de la récolte du Ndimbu sur une île pas loin de Mbanza Congo. Le Ndimbu était la monnaie locale. C'était des coquillages. Il y avait du Nkodia qui n'est qu'autre que la coquille d'escargot qui était aussi une forme de monnaie. En 1480, le navigateur Diego Cao fut le premier à évoquer un grand empire qui contrôlait le commerce dans la région. C'est en 1483 que Diego Cao foule les terres Congo, à cette époque qui était sous le règne de Nzingakuvu. Une collaboration commerciale se crée, des échanges de houx, d'armes à feu, contre l'une des richesses Congo, l'ivoire, avec la population intérieure de l'Angola. Mais il persuada difficilement au roi d'ouvrir le pays aux Portugais. Alors des missionnaires catholiques arrivèrent avec Diego Cao dans la région en 1490. Liés d'une amitié entre le Portugal et le Royaume Congo, en 1491, Nzingakuvu fut baptisé et prit le nom de Jean Ier. Après le baptême de Nzingakuvu, Cao crut alors la voie libre pour se procurer des esclaves et le tenta en capturant quelques femmes et hommes. Cependant, Nzingakuvu s'était décidé de ne pas faire de son royaume un lieu de traite. Il fit capturer en échange les missionnaires portugais et les fit tuer à chaque mois de retard dans le retour des captifs Congo. Sous Nzingakuvu, les relations se refroidirent avec le Portugal et ne s'améliorent guère jusqu'à sa mort. Il aurait empiré n'eût été la mort de son fils Panzu Nzinga, qui était lui contre toute forme de relation avec le Portugal. Un de deux fils, le deuxième fils, le prétendant favori du peuple Congo, mais comme le pouvoir n'était plus matriarcal, la succession se faisait par élection et il n'était pas systématique qu'un fils succède son père. Lui aussi soutenu par des clans et des métiers Congo, désirait écourter au plus vite les relations avec le Portugal. Cela lui coûta la vie. Son frère Vemba Nzinga, qui avait été largement influencé dès son enfance par l'encadrement des missionnaires, devint roi à la suite de l'assassinat de son frère par un soldat portugais. Vemba Nzinga, baptisé Alfonso Ier, envoya son fils Lukeni Luanzinga au Portugal, qui devint plus tard le premier évêque africain de l'histoire de l'Église catholique. La capitale fut renommée alors São Salvador, Saint-Sauveur. On entendait des multitudes des cloches des églises sonner, des églises catholiques, parce qu'à cette époque, on avait éradiqué la religion Congo, des mœurs Congo. Plus personne ne pouvait prier une statue, faire appel à ses ancêtres de peur qu'ils soient surpris et être tués. Dans les décennies qui suivaient, l'Empire Congo tomba dans la spirale du commerce d'esclaves planifié par les commerçants du Portugal et d'autres pays européens. Ainsi, le Royaume Congo, qui était un empire, s'est réduit à un vassal gouverné par un autre État européen, l'État du Portugal. Les conséquences commençait à se faire sentir pour l'Empire lorsque le Mani-Congo perd le contrôle de certaines provinces. Vu que le pouvoir du matriarcal a été aboli à cause de sa conversion au catholicisme qui lui exigeait d'avoir une seule femme alors qu'il pouvait avoir plusieurs femmes venant des différentes provinces. Ainsi était instauré son pouvoir. Le Royaume Congo a connu un dépeuplement abusif. La spiritualité Congo et tradition étant enterrée, interdite au risque même de la peine de mort. On ne jurait que sur la Bible. Et à cette époque, le Royaume Congo était devenu un vassal. En 1526, le Mani-Congo écrit au Jean III du Portugal, lui demandant de mettre fin à cette pratique de l'esclavage qui réduit le peuple Congo. On passe de 35 habitants par kilomètre carré à 5 habitants par kilomètre carré.
Mais hélas, il reçut une réponse cynique et leurs relations s'envenimèrent jusqu'à sa mort. Cependant, l'État Congo continua d'exister, ou tout au moins formellement, durant des siècles, jusqu'à ce que sa division soit décidée entre le Portugal, la Belgique, la France, par la conférence de Berlin en 1884 à 1885. Retenant cependant, les luttes persistèrent jusqu'aux indépendances. Les provinces devinrent des pays, par exemple, avec Anandinga, qui tenut en échec la coalition portugaise, néerlandaise et britannique pendant près de 30 ans et réussit à freiner l'expansion de la traite négrière sur le territoire Congo. La densité de population de l'époque, qui était de 35 habitants par kilomètre carré, chutèrent dramatiquement. La traite avait fait son œuvre de dépeuplement sanglant et le colonialisme s'installa. Un brassage de cultures s'est initié jusqu'à une cohabitation pacifique. Les provinces Congo devenaient des pays. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était. Le pillage des ressources pour l'industrialisation a affaibli le globe terrestre. La déforestation abusive du milieu naturel, de la faune, est en train de se réduire, toujours au profit d'un intérêt. On s'en fout si quelques spécimens d'animaux disparaissent. On s'en fout si la couche d'ozone s'affaiblit. On s'en fout si l'humain doit mourir. Le comble. Aujourd'hui, nous assistons avec impuissance. Comment par milliers des hommes, des femmes se meurent par le Covid-19. La mort nous guette de partout. Est-ce une punition de Nzambiampongo, Dieu créateur? Ainsi une lettre vous est adressée de dire aux petits-fils de vos petits-fils ce que les grands-parents de vos grands-parents ont vécu. Ya munwe lufalwa nkandi